Les mardis 23 et mercredi 24 février 2010, deux délégations de sénateurs étaient en visite sur les sites miniers de Tenkefungurume Mining à 177 km au nord-ouest de Lubumbashi dans la province du Katanga. Le premier groupe de sénateurs était conduit par le Mwami Munongo Mwendam Siri. Le deuxième groupe de sénateurs avait comme chef de file l'honorable Luonge Kabindangoy. Pour les deux groupes, un parcours identique sur le site. D'abord, les rudiments observés pour une meilleure sécurité sur le site minier. Le port du casque et des lunettes de protection est obligatoire. De même que le gilet aux couleurs fluorescentes pour être facilement repéré de jour comme de nuit. Petite halte au camp Bravo, où est logée la majorité du personnel de Tenkefungurume Mining. Direction ensuite le banc Kwatebala pour un briefing sur les principales activités qui ont lieu sur ce site. Mais d'abord, il est question pour les géologues de TFM de fixer les esprits sur la teneur du sol en minerai de cuivre et de cobalt. En face de nous, tout ce qui est vert, c'est du cuivre. Voyez là-bas, du cuivre, voyez là-bas, du cobalt, là-bas, du cuivre, du cuivre, du cuivre. Una casa en el cielo. Oui, plus bas, sur le même mont, les sénateurs découvrent l'un des principaux centres d'intérêt pour les visiteurs du site. Il s'agit de l'impressionnant excavateur et concasseur, le monstre Vermeur. Celui-ci ramène à la surface les minerais concassés grâce à une puissance d'extraction sans pareil. Le Vermeur nous permet d'abord d'éviter, n'est-ce pas, d'utiliser le minage classique. Le minage classique, c'est la foration, ensuite tomber les explosifs. En fait, il y a, sur le plan écologique, il y a le bruit, il y a la fumée qui pourrait déranger les villages de l'environnement. Il fait déjà fonction du broyeur primaire au concentrateur. Il a déjà broyé le terrain sur 50 cm. Donc, sur le plan économique, c'est bénéfique pour la société. De deux, il évite la contamination. Donc, il n'y a pas de contamination. Parce que comme nous utilisons le minage classique, nous mélangeons le tout et nous avons des difficultés au niveau de la concentration. Quelques sénateurs ont d'ailleurs eu le privilège d'entrer dans la cabine de pilotage de l'engin. Une expérience inoubliable pour la plupart. Extraordinaire, c'est l'interne, c'est extraordinaire tout simplement, ce qu'ils ont comme matériel. Vivir en tu espalda, mourir en tus brazos, tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y verdes. Alors, vous sentez comment à l'intérieur? Ça fait beau, ça fait beau.
Ce minerai ramené à la surface est ensuite acheminé vers l'usine métallurgique pour une série de traitements visant à aboutir à ces plaques de cuivre d'environ 60 kg chacune et de teneur proche de 100%. Ensuite, les sénateurs ont pu apprécier l'effort déployé par Tenkefungurume Mining en matière de préservation de l'environnement. C'est le cas ici où ce bassin immense, recouvert de bâches, recueille les rejets de l'usine métallurgique. Un accent particulier est donc mis sur le respect des normes environnementales et sur le respect du social des populations locales. À l'exemple de ce village de relocalisation, où des villageois ont été réinstallés dans des habitations en dur, avec écoles et centres de santé. Une série de réalisations qui n'ont pas laissé indifférents les sénateurs. Eh ben, c'est très simple, nous sommes des sénateurs élus du Katanga, donc c'était tout à fait normal que nous puissions venir voir une grosse boîte de la place et qui est très productive et qui va de l'avant, très prometteur. Voilà pourquoi nous sommes venus, et moi particulièrement parce que je suis chez moi, dans ma chefferie. Voilà pourquoi nous sommes là. Alors qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué au cours de cette visite? Ah, on a été impressionnés par les transformations. Moi qui viens souvent depuis des années, depuis que je suis très jeune avec mon père et mon frère aîné, qui était mon ami avant moi, c'est autre chose. De l'époque de SMTF, il y a un changement radical et c'est très prometteur. C'est que nous nous occupons de cette entreprise sans l'avoir connue. Nous avons eu à parler avec le président, avec le premier ministre et avec beaucoup d'autres au sein de notre institution, Sénat. Alors, pour compléter ce que nous pensons en faveur de la population qui entoure cette grande entreprise, il fallait bien venir la voir et la connaître de l'intérieur. C'est cela même le motif qui nous a amenés ici, pour que nous puissions voir ce qui existe et ce qui fait tant de problèmes et pourquoi il y a des problèmes. Voilà pourquoi nous sommes venus. Alors, pour tâter, n'est-ce pas, de nous-mêmes, les différents aspects, tous les aspects qui se posent à Tenkefungurume, mais la faveur que nous, en tant qu'élus, nos populations, peuvent tirer de la présence de cette grande entreprise. Voilà ce que la presse peut retenir. C'est beaucoup de choses à montrer. Alors, qu'est-ce que vous allez ramener comme message à vos collègues sénateurs après une visite comme celle que vous venez d'effectuer? Bien, la première chose, puisque nous avons laissé en chemin nos contacts avec les autorités de cette République, nous pensons que nous allons encore enfoncer les clous pour que ce que nous avions demandé, notamment toutes les discussions qui sont en cours en cette matière-là, puissent être résolues en faveur de nos populations, de nos populations bénéficiaires d'ici et de l'entreprise elle-même. Et évidemment aussi de la province du Katanga et de nous tous. À ce jour, le site de Tenkefungurume Mining a accueilli de nombreuses vagues de visiteurs et pour la plupart d'entre eux, le constat est le même. Tenkefungurume Mining représente l'une des entreprises les plus concurrentielles. Una casa en el cielo, un jardín.